L'Église, chapitre 2 J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici c'est encore là une vanité. J'ai dû rire, insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de leur vie, j'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce, je me crée des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leur enfant né dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses étaient rois et étaient provinces. Je me procurais tes chanteurs et tes chanteuses, et les délices étaient fils et de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai, en ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuivant. du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie, car que fera l'homme qui succédera au roi ce qu'on a déjà fait Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a les yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Et pourquoi donc ai-je été plus sage Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuit du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil, c'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé, c'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ces jours ne sont que douleurs et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la de Dieu, qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent.